Wesh, y a la tête d'un creeper qui saute, les gars. C'est quoi ça? Eh? Y a la tête d'un creeper qui saute, wesh. Et tu vas faire quoi? J'ai one shot avec une torche. Allez, casse-toi. Ah que coucou, c'est un gros starbé. Bonsoir. Oula, alors ne vous fiez surtout pas, s'il vous plaît, à ma tête. Car là, j'annonce, pire que ça, un terme d'état, là. Bah, je suis malade, comme vous avez pu voir hier. Et là, c'est, du coup, ça s'est empiré, apparemment. Et c'est très compliqué, je tousse, je me mouche, je suis une grosse merde. Mais bon, on fait quand même la vidéo. Et ouais, hé, vous croyez quoi? Vous croyez que je suis malade et pas de vidéo? Alors, c'est mort. Vidéo tous les jours. Tous les jours. Voilà, du coup, programme, on va... explorer la mine avec la mine souterraine là, vous voyez, avec les rails et tout dessus. Voilà, on va. J'ai besoin de bois et de charbon, donc voilà ce qu'on va faire. Et on va essayer de tabasser plus de mobs pour XP aussi. Et puis, j'aimerais bien enchanter mon stuff aussi. Putain, je sais que ça, il faut une table d'enchantement, des bibliothèques, tout ça. Mais bon, bref, on verra. J'aimerais aussi faire ma base. En fait, j'aimerais faire trop de choses, faire une vraie base et tout. Donc bon, en tout cas, on verra. On va jouer, on lance le jeu, on se retrouve in-game. Let's go! On est in-game avec notre petit bouclier, épée en diamant, poche en diamant. On est pas mal. On est vraiment pas mal là. Donc là, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. On va taper un peu de bois. Il y a des petites pastèques. Aussi, j'ai pu voir que choper les pommes des arbres, c'était bien. Comme ça, on pouvait se faire genre des pommes dorées et tout. Ah, quand on mine alors qu'on est perché, on mine moins vite. Ah, et des arbres avec une bûche. Alors bien sûr, pour bien suivre l'aventure, n'hésitez surtout pas à voir le début de l'aventure. Ma dernière vidéo, juste ici. Faut que je mette tout mon doigt là-bas, là-bas loin. Yeah, comme ça, hop, sur mon biceps. Hop, juste là-bas la dernière vidéo. Paf! Bon, on va aller dormir, hein. Moi j'aime pas trop la nuit. Il y a un squelette là. Putain, moi je vais me faire un arc. C'est bon, ces squelettes là, il me saoule. Ah attendez, bah, vous savez quoi, on va essayer avec le bouclier. On va voir si on prend des dégâts ou pas. Mais il est où? Oula, il y a du zombax, ça. Hein. Putain, il a tout niqué. Ah, il fait chier, franchement, là. T'es tout cassé. Putain, bah, il y en a des creepers, hein. Oh, il y a une araignée pour la ficelle. J'ai pas eu de ficelle. Putain, il y a là les meubles, là, hein. Oh là. Oh. Oh. Après, bon, il y a une barre de vie, quand même. Putain, mais wesh, je me fais canard de tous les côtés, mais y'a v'là les monstres, hein. Oh. Putain, mais je fais tout casser, fais chier, après ça va être moche. Putain, je fais n'importe quoi, les gars. Putain, pauvre tortue, là. Hop, on va dormir un coup, ça va faire du bien. Oh, pas tard. Oh là là, le sneaky. Ah oui, il est mort direct. Bravo. C'est quoi ça? Oula! Ah, du bambou! Ok. Putain, je crois que le bambou c'est bien, non? Je sais pas. Bon, je sais pas si ça sert. Mais en tout cas, j'en ai. Bon, on n'a pas tant de charbon qu'on voulait, mais on a le bois qu'on voulait, à peu près. T'as ça avec 32 torches, c'est pas beaucoup. Bon, ce qu'on va faire plutôt, on va prendre des bâtonnets. Et dès qu'on croisera du... Merde, pourquoi j'ai fait une pioche en fer? Dès qu'on croisera tout simplement du charbon, on se fera des torches sur place en fait. Eh bah let's go! Allons explorer ce truc. Bon, il y a déjà des monstres qui m'attendent. En vrai, il y en a du charbon, mais un peu plus haut, regardez. Bah c'est parti. Un peu peur. Hein. On va passer par là. Ouais, y a là les ficelles. Oh putain, bâtard! Fils de pute, va. Enculé. Parce que là, si je tombe, je fais mal, hein. Oh, il m'a fait flipper. Enculé. Bâtard. Oh là, oh là, oh bâtard, oh là, oh là. Putain, j'aime pas les araignées, sa mère. Oh putain, je vais crever, sa mère.
Ok, donc là, les araignées d'ici, les araignées empoisonnées. Ok, moi, je crois que c'est en fait c'est chaud un peu leur ici le truc. Hein. En plus, je crois que c'est pas un truc de spawner là-bas. Ah, si c'est un spawner d'araignées empoisonnées, je suis mal. Hein. Oh putain, bâtard, oh, elle va courir super vite ta grand-mère. Mais ça va, elles sont un peu fragiles. Et, moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est les squelettes. Parce qu'ils peuvent me faire tomber en fait. Voilà, putain, bâtard. Putain, en plus, ouais, il se fait pas chier. Hein. Ok, bon, ça va être chargé en. Non, je sais pas quoi, mais ça va être chargé, les gars. Mais genre, lui. Ah, d'accord. J'ai notre araignée qui vient. Il faut vite que je mette des torches, en fait. Putain, il y a d'autres squelettes, là. T'inquiète, un squelette, moi. Voilà, c'est pas visé. Il est tombé? Oh, le con. Oh, maintenant c'est. Ouais, mais le nombre de monstres qu'il y a ici, en fait, c'est une dinguerie. Et là-bas, il y a aussi un truc d'araignée. Non, mais c'est. Waouh. Et ici, c'est pas des lol. Ah, imaginez le mode hard ici. On va truquer ça. Voilà. Là, non, mais ça, c'est plus. Spawner. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'aimerais bien me sécure. Genre, pas qu'il y ait de. Genre là, d'être ce trou et tout, genre. Je trouve ça abusé quand même là. Tout est fait en sorte pour qu'on meure. Voilà. Aïe, putain, bien fait. Ok. Bon déjà, cette zone est un peu plus safe. En plus, c'est du diamant là-haut. Aïe, aïe, un. Parce que moi, je sens la connerie où je vais me faire défoncer. Ah, c'est abusé, ça fait trop peur quand même. Ils sont là, ils sont au plafond et tout. Bon là, je crois que du coup, on peut faire un arc là, non? Ah mais faut table de craft et tout. Et plus tard on pourra peut-être se faire, vous savez, des trucs avec des usines à XP et tout. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs à faire qu'on pouvait faire avec les spawners et tout là. C'est pour ça que je détruis pas. Et au moins, dès qu'on en a besoin, on sait qu'ils sont là. Ah ouais, c'est loin d'être fini. Il y a de la terre ici. C'est quoi ça? Oula. Ouais, ça fait vraiment flipper, hein. Et puis, on va prendre les rails aussi. On a toujours pas chopé de charbon et moi là je vais être en manque de torches. Ça, c'est chiant ça. Ouais mais ça s'arrête pas. Ah non mais là je vais être cruellement en manque de torches. Hein. Ça c'est quoi? Ça c'est d'être beau. Bon je pense qu'on va faire. On va aller chercher du charbon parce que là ça va être trop chiant sinon. C'est quoi ça? Wow. Vous imaginez c'est une zone super rare et tout? Waouh. Oh my god. Regardez. Wesh. Il y a un coffre, wesh. Wesh. Oula. Il y a un coffre. Ah, mais il y a du charbon. Vas-y, on va se faire. Hop. Ouais, nickel. Oula. Il est où? Je l'entends, là. Il y a un autre spawner? Ok. Oh, what the fuck? Il vient de par où? Oula. Je l'ai vu. Il va venir. J'aime pas ces bruits de pas, là, qu'ils font. Non, mais wesh, mais on dirait que ça a été fait exprès et tout. Bon, je crois que je suis dans une zone de fou, les gars. Et encore un spawner? Non, mais c'est trop. Faut calmer, là. Ok, quand c'est avec. Ah, ok, je viens de capter. Quand c'est rempli de toile. Oula, il y a un creeper. Quand c'est rempli de toile, c'est que c'est des araignées empoisonnées. Oh, il a pas pété le spawner, ça va. C'est que c'est des araignées empoisonnées. Et quand c'était un spawner comme ça, normal, c'est des araignées normaux. Ok. Et là. Ouais, j'ai l'inventaire plein déjà. Ok, là, c'est la fin. Ok. Bah putain. Ah, imaginez si on peut regrouper tous les spawners. Bon, là, j'y joue un peu trop grand, je pense. Mais si on regroupe tous les spawners qu'on croise en un, on fait une grosse usine à XP comme ça, on mélange tout. Oh, ce serait dément. Là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut être trop bien. Et on croise encore. Oula. Oh, il pète tout. Chier. Oula. Oh. Mon salaud. Oh, t'es un coquin, toi. Oh là, mais dis donc. Ok, bah putain, il y en a des choses ici. Hein. Waouh. Non, mais c'est immense. Mais vous vous rendez compte ou pas? Et juste par contre, moi, je sais pas comment faire les usines là, à monstres et tout. Faudrait que je regarde un peu. Là, j'ai pas le temps. Oh putain. Ah, oh, y'a encore ça descend? Ah non, y'a rien. À tout moment, tu lèves la tête, tu tombes sur une araignée. Ah oh, putain, j'aime pas les bébés zombies. J'ai un très mauvais souvenir. Là, je trouve qu'ils font peur. Ah oh, putain, c'est tellement immense. Ils ont la voix cassée en plus. Moi, je sais quoi ça? Putain, c'est des extraterrestres. Oh. On m'appelle l'OVNI. Ok, bon. Il y a eu ce côté-là qu'on n'a pas trop regardé. Du coup, ça veut dire qu'on a deux spawners, plus ou moins à côté. Là-bas, je sais pas s'il y en a un.
Ça, faut qu'on aille en bas là-bas. Juste, moi, il me faut du charbon et vider mon inventaire parce que là, ça devient un peu chaud. Je sais pas si ça sert à quoi les bonnes trucs d'améthyste. Et quoi? Du lapis lazuli. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, teinture bleue. Ok. Bon, on verra après. Bon, on va monter, ranger tout ça, hein, parce que là, on commence à être vachement plein, là, ça sert à rien. Attends, en tout cas, ouf, hein, oh, cette mine, là, putain. Je sais pas si c'est moi, j'ai eu de la chance de, ouais, juste en bas de ma base, d'avoir tout ça, mais putain, incroyable. Enfin, non, j'ai plutôt fait ma base après avoir trouvé ça, donc bon. Bon, allez, on y retourne. On a une autre partie à explorer, là. Allez, let's go. Oula, putain, c'est quoi ces trous, là, con? Aïe. Ah, il y a un coffre. Il y a des coffres comme ça, avec des rails et tout. Et voilà les monstres. Oh waouh. Et ça continue tout, mais wesh. Eh ben, on n'est pas près de. Ah ouais, là, ça continue vachement même. Mais c'est quoi ce. Non mais les gars. Dites-moi que c'est pas normal, rassurez-moi. Ah s'il vous plaît. Ah d'accord. Oh, il y a un spawner de mobs universel ou bien y a tous les mobs qui est du monde. Oula, c'est quoi ce zombie? Oh là, mais salaud. Ah, putain. Bon, je crois que... Putain, mais... Quoi? Il m'a donné une carotte, le salaud. Ouais, non, mais il y a des trucs de partout. Ouais, je suis content, franchement, parce que là, du coup, il y a plein, tellement de choses que. Eh ben, l'aventure n'est pas prête d'être terminée, hein. Moi, je vous le dis. Oh, oula, c'est quoi ça? Ouais, j'ai la tête d'un creeper qui saute, les gars. C'est quoi ça? Eh? Il y a la tête d'un creeper qui saute? Wesh. Et tu vas faire quoi? J'ai one shot avec une torche. Allez, casse-toi, ma gueule. Oh, le gisement de diamant. Non mais c'est beaucoup trop grand, ça m'a fait mal à la tête, déjà que je suis malade. Non là on rejoint la partie qu'on a vue tout à l'heure. Oh, petit salaud. Bah je pense qu'en termes de ressources, on en sera pas mal. Hein. Maintenant, ça j'aimerais bien pouvoir faire une belle base tranquillou et tout là. C'est encore un endroit qu'on n'a pas vu et tout, non mais waouh. Non mais moi je suis constamment sous le choc là. Ah encore un truc, ouais mais wesh. Oula, il y a là la famille là. Ouais, je fais quoi là? Il lui a niqué sa race. Ah, il a fumé. Wow, c'est chaud un zombie hein. J'aurais vraiment un petit lac et tout dans un donjon. J'entends beaucoup de zombies là. Mais genre vraiment beaucoup. Là, je vais être encore bientôt à court de torches là. Non, mais ça, c'est un donjon. C'est un truc là, un spawner non? Ouais, c'est obligé. C'est obligé. Il y a beaucoup trop de bruit pour que. Yeah! Level 30 et. Je peux me servir de ça pour les torches, justement. Genre, si je les mets. Ouais, faut que je les mette sur ça. Ah non, même pas en plus. Oh, sa mère. Ah, bah, c'est ça du silex là, non? Ok. Bah, c'est en minant. J'ai eu quoi là? Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est en minant du gravier. Ok. Wow, sa mère. Oh, je vais crever là, non? Wow. Putain, fait chier que j'ai plus de torches là. Ah ouais, non, là c'est vraiment chiant. J'arrive pas à me retrouver. Ouais, c'est là. Ok, super. T'as la ressource dont je suis le plus en galère, c'est le charbon pour les torches. Oh. Sérieux? T'as tellement c'est immense. C'est n'importe quoi. Bon, on est rentré. Bon, même problème. Toujours en galère de charbon. Ouais, sinon choper dans les trucs à côté là. Parce que je crois qu'en vrai ça chope peut-être plus haut. Et du coup, vu que moi je vais directement trop bas, peut-être que j'en ai pas direct quoi. Peut-être pour ça. Après, est-ce qu'on peut. Je me suis dit, est-ce qu'on peut en faire du charbon? Je sais pas, peut-être en faisant cuire des trucs ou quoi. Ah, c'est peut-être ça ce qu'on a vu d'en bas là. Ouais. Oh putain. Ouais, c'est une folie. T'as du charbon là-bas. On va se remoucher un coup.
Ça pique d'être malade. Hein. Bon, il fait nuit, on va aller se coucher. Et puis je pense qu'on va mettre fin à l'épisode. Waouh, alors les gars, ma baraque, c'est pas non plus. Hein, à se calmer. Hein. On va laisser reculer, s'il vous plaît, messieurs. Ouais. Allez, on se casse. Voilà, merci bien. Attendez, on va essayer l'arc avant. Pouf! Ah, bah, je peux pas tirer. Ah, ok, d'accord. Tu viens de capter. Eh, on est chaud, quoi. T'as mis un avla, les monstres. Tiens. Eh ouais, moi, je vous défonce avec... Oula, je l'ai pas vu, salaud. Bon, allez. Maintenant qu'on a tué tous les monstres autour de nous, on va aller se coucher. On va aller mettre fin à l'épisode. Hop, on dort le steak à la main. Hé. Et pouf. Et voici pour ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Regarde, c'est la fin de l'épisode. On a vu qu'aujourd'hui, on a pu voir énormément de choses sur l'exploration, avec la construction et tout. Exploration un peu minière, on dirait comme une sorte de métro abandonné. Bon, en tout cas, c'était vachement cool. On a pu voir vachement des spawners. Je pense qu'il y a un spawner de zombies aussi qui était à côté. Faudra aller checker. J'espère que cet épisode sur l'exploration vous aura plu. Je pense que la prochaine, ça va être... Enfin, j'espère. En tout cas, j'aimerais faire plus des trucs en surface. Plus, par exemple, de la construction de base. Ou bien de l'élevage ou de l'agriculture. Je vais me renseigner un peu sur Internet pour tout ce qui est base, agriculture, tout ça. Parce que j'y connais rien du tout, du tout, du tout, du tout. Désolé encore pour ma voix et mon état qui était un peu fatigué et fatigant. En tout cas, si toutes ces aventures vous plaît, laissez un like, abonnez-vous. Et sur ce, peace!